السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة انكرويب فاميلي بي اكسل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كيفاش نديرو لي شو لي لاباط دي شو على كريم شانتي ان شاء الله. دونك بور هادشي اون ا بيزوين دو 125 مللتر دو، دو 75 غرام دو فارين، دو 50 غرام دو بور، دو زو، اون بانسي دو سيل، 20 غرام دو سكر et un sachet de sucre vanille. عندكم خصكم نتوما 150 مليلتر ديال الماء، 75 غرام ديال الفرينه، 50 غرام ديال الزبده، جوج بيضات، واحد شويه ديال الملح، 20 غرام ديال السكر، واحد ساشي ديال سكر فاني. Alors première étape, on va verser l'eau dans la casserole. Ensuite, on va verser le sucre dans la casserole et le beurre. On va laisser le tout fondre délicatement jusqu'à ébullition. Donc on allume, on va diminuer le feu et on va laisser que tout le mélange se mélange entre elles. Voilà, qui m'a quitté au four. Comme vous voyez, ça coule chez Rabda Kaydoub. Ta radi doub coule chez ou radin zedou chouïa diel le melh. On va rajouter un peu de sel dans le mélange. Voilà. On va mettre un dour un dour. Et tout ce qui est doublé. Oui, il est. Oui, il est. On va mettre un four fougue à la farine. Voilà. Une fois que vous voyez que l'eau elle commence à devenir à se bouillir, on va lever la casserole, on va enlever la casserole du feu et on va rajouter de la farine. Voilà, donc là on va rajouter de la farine dessus pour obtenir une pâte assez homogène. Il faut bien tourner, tourner, tourner jusqu'à quand on obtient une pâte. يكون عندنا واحد لاباط ديالنا مجموعه. Voilà, une fois qu'on obtient de la pâte, ça y est, on a obtenu cette pâte-ci, on doit la remettre au feu pour enlever tout ce qui est liquide dans la pâte. يعني une fois que l'eau هاد الخلاط ديالنا نردوها في النار باش نحيدو كاع الماء اللي كاينه في لاباط. كيف كتشوفوا معنا ها هي لاباط ديالنا موجوده. فوالا لاباط اللي بريت. غادي نخليوها شويه تبرد عاد نفرغوا عليها البيض. دونك اون فا ليسي رفرويدير لاباط كوم يفو. Ensuite, on va verser les deux œufs qu'on a. On se retrouve juste après. Voilà. Comme vous voyez, la pâte, elle est un peu froide. Là, on va rajouter le premier œuf. On va casser. Ensuite, on va mélanger le tout. Voilà, on mélange. Et on va rajouter le deuxième œuf. Voilà, et on va mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à quand on va obtenir une pâte ferme. Voilà, on a tourné et on doit obtenir cette pâte-ci. Voilà. Une fois qu'elle est comme ça, ben vous savez qu'elle est réussie. Voilà. D'abord, on va la mettre dans la poche à douille que j'ai préparée ici. On verse le tout dans la poche à douille.
Voilà, on va laisser poser notre pâte à choux et on va venir préparer le craquelin qui va se trouver juste au-dessus de la pâte à choux. Alors, pour le craquelin, on a besoin de 40 g de farine, 40 g de sucre et 35 g de beurre. Donc, on va mélanger le beurre et le sucre. Et on rajoute de la farine. Voilà, quand c'est fini, comment est-ce qu'elle doit être? Avec les craquelins hado, on va les choux diaouna. Ils vont être au-dessus de nos choux, inshallah. On va la mettre au congélateur pendant 10 minutes et on va la faire sortir juste après. Voilà, une fois qu'on a sorti les craquelins du frigo, on les coupe en rond et on les place sur nos choux. Voilà, on va faire ça partout. Et ensuite, on va déposer dans le four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. N'ouvrez pas le four pendant la cuisson. C'est très important pour que les choux montent comme il faut. Voilà les filles, le résultat final de nos choux. Donc là, j'ai accompagné avec du caramel. Après, chacun peut accompagner avec ce qu'il veut, mais moi j'accompagne avec caramel. Et mes choux sont très 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 somptueuses, comme vous le voyez. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous n'avez pas toujours activé la cloche. Et merci bien, n'oubliez pas de liker et de commenter. Au revoir!